Salut les gens, on est de retour, épisode 41, et on recommence parce que, bien évidemment, un running gag n'est jamais trop court, ni jamais trop long, sur une atémérerie. Il a lancé un dialogue. Il y a un Toto qui a lancé un dialogue. Et bonsoir! Encore. Je suis ravi d'être un provisionneur de running gag. C'est ça. Ou juste Alors. grosse boulette, au choix. Par le mandarin, non le mandrin, pardon, pas le mandarin, de Grast, j'ai failli attendre. Ouais. Mais du coup, elle, c'est la patronne de Will? Ouais, Putain, ça. En fait, elle s'est qu'est-ce qu'il fout là-dedans? auto-invoquée pour que Will l'auto-sauve. C'est vraiment trop bête. Mais c'est surtout que. Enfin bon. Ah Oh oui, oui. oh Moi, je me oui, oh oui. Go on and gloat. Bow to your pretend crowd. All done? Good. Now, enough sniffing around and get me out of this thing. Alors, t'as quoi, toi? L'intimidation est pas mal. Vous Ça va souvenir être de tout ce que historique, vous hein. savez sur les contrats des diables. Oh! Ça va être instantanément historique, hein. Ah, ce serait bien de mettre un petit guidance. Oui, c'est C'est fait. Oh, tu sais, Allez! magnifique, You recall an old incantation from a children's story, said to void a devil's contract. Abi diabole et nunquam redi. Hey, hey, oh. Ah oui, bah oui, bah oui. Avec l'intonation, je vous prie. Elle se fout de ma gueule, hein. Oh, be damned. You want to free the pup from his pact. And you thought that idiotic display would do it. Oh, bravo. Fine, I'll play your game. But I amend the pact. Clause F, section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon soulbearer's fulfillment of related obligation. Now, open the pod. Your eyes turn to the control panel next to the pod. It has two devices marked with illithid symbols. À votre avis, si on la tue, du coup, Will, ça redevient un PNJ nul? Je crois qu'il est envoyé aux enfers si on fait ça. Let's go. Allez, alors, bon, j'ai pas de force, mais ça me ferait tellement Au rire pire, de tu dire la 1. Rebondis. Tu rebondis, je bang. Moi, j'ai très envie de tester ça. Juste pour voir. Oh, je peux boire un élixir du colosse juste pour ça. Mais pourquoi? Parce que c'est drôle. Ça donne des jets en force. Il rebondit, il tombe dans l'acide derrière et il meurt. Bon, on va jouer Ninspi quand même. On va pas se couper, voilà. Bah ça marche, je suis déception. Ouais, ça, m'attendait à un truc un peu oh, plus. Oh, stylé, les ailes et tout là. La coiffure bah, aussi. En même temps. Oui. Elle est badass la madame. Hein. C'est une connasse, mais elle est badass. Good ouais. Work. Voilà, ça c'est exactement comme la Simar, c'est si on pouvait jouer un perso avec ça comme classe. Clause Z, section 13. If the soul binder consents to separation, she will release the soul bearer from all obligation within 6 months. Ignorant thing. It's always the terms and conditions that get you. C'est pas si long, 6 mois. Elle a le temps de l'envoyer 14 fois aux enfers, mais. Oui. Bah après, s'il fait pas le teuteux, normalement il est tranquille, hein. Il reste 6 mois en position larvaire et. Catox. Si on donne la 1, on la tape. On monte notre niveau. Moi je dis ça. Je dis ça comme ça. De l'expert. Peut-être, mais bon, même si c'est un turbo lourd relou. Right. I'm out of here. I need a long bath. I'll leave you to your very serious business. But don't you fret. If you survive this place, I'll find you. The pup will be needing me.
Count on it. Ah là là. Oh, and ask Will how we met. I've loosened his tongue. It's real cracker of a tale. Ta-ta. Ta-ta. J'aime trop, ce perso, franchement, je l'aime trop, il est... Ok, stylé, hein. Ah ouais, ouais, il est agréablement détestable. Ah ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est genre... ça cristallise bien entre elle et Raphaël. Vous aimerez les détester. C'est ça. Et encore, Raphaël, moi, je l'aime... Enfin, bon... T'as essayé de casser les jarres de cerveau, là? Passe rien, je suis déçu. Ah, il y a des gens qui prennent des dégâts là-bas. Non, c'est une jarre de cerveau où j'ai tapé dessus. Ah ouais, mais quand t'es à côté. Par contre, y a des gens qui sont là. Oh, il y a un gars, il s'appelle Henri le Velu. Henri le vrai. Oh, je les avais zappés eux. Ouais. Ça fait de l'XP. Ouais, ils vont passer le niveau. Siat, il va en fufu là. Journal d'Henri le Velu. C'est absolument que je vais lire ça. Toi t'es en fufu ou t'es pas en fufu là? Je suis en fufu. Tout le monde en fufu là. Son squelette il est pas du tout en fufu par contre, mais. Je l'ai lui cassé. Je suis la nuit. Ich bin the night. Tadam tad. Oh. Ah non, c'est des trucs qu'on peut pas les voler. Vas-y, c'est rouge là. Par contre, on a. Deux cuves de nautiloïdes qu'on pourrait discrètement récupérer et balancer sur les gens qui sont là-bas. Mais on sait pas s'ils sont méchants encore. Alors, il y a des risques. Hein. Non, mais on est d'accord qu'il y a des risques. Ah, il y a un esprit fermé là. Alors attends, je viens de zoomer dessus. Ils sont méchants. Genre, ils ont des fléaux avec des têtes de mort et tout. Ah, rien que leur titre. Hein, Là, je vois Skull Lasher. Ouais, c'est des gens qui lâchent des crânes. C'est ça que ça veut dire, Skull Lasher? Ouais, ouais, c'est fouetteur ça. De crâne. Mais je sais bien. Fouet de crâne. Tadam, tadam, tadam. Ah, mais c'est des adeptes de Mercule. Mais oui. Pour ça, je te laisse lire là. Bah, vas-y, pille les coffres. Moi je pique. Non, c'est rouge, pour une fois je vais essayer d'être sage. On va croire que j'ai dit pour une fois. Ça n'arrivera pas souvent, mais. Oh merde, ils arrivent! Ils arrivent! Putain, vas-y, cache-moi. Ah, Heidi fail, hein! Ah putain! Ah bah c'est bon, ils sont pas méchants. Du coup, on les bute pas? Ils sont pas méchants quand la meuf elle dit j'en conclue que vous êtes un des attaquants. Bon. Ouais, tu te doutes qu'il y a potentiel. Oh, ah, il tourne de dos. Oh, les deux là. Oh, lui. Je peux tirer sur la queue du Tolivide. Alors, tu peux le mettre par terre ou. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu le mets par terre. Tournez pas, passe pas votre tour. Hein. Vas-y, mets-le par terre et on lui marave la gueule. Oh, j'ai avantage en plus. Il est par terre ou pas? Ça, je l'ai pas mis par terre! Oh, j'ai essayé. Hein. Pourquoi mon tour a été passé? Je sais pas moi. Parce que c'est 12. Rien. Non, parce qu'on l'a surpris, mais du coup. Mais... on... Du coup, si j'ai surpris, j'ai droit à un tour de plus. Pourquoi est-ce que moi je peux plus tirer là? Je ne sais pas. Ah non, c'est nous qui sommes surpris. Mais surpris d'où? On était déjà en train d'attaquer. Que... Ah ouais, mais. Mais qu'est-ce que c'est que cette bouse? Coucou! Tu peux pousser ton squelette ou pas? Si j'arrive à avoir mon jeu, oui, attends. Quoi, vers l'arrière? Bah, en fait, je voudrais balancer de là où je suis vers là où il y a ton squelette à une AOE. Attends, déjà, ce que je vais faire, c'est ça. Non, mais t'embête pas, je vais. Voilà. Après, bah, on s'en fout, c'est un squelette. C'est ça, au pire, il meurt. Attends, je le finis pour avoir une extra attaque. Voilà. Eh bah, il y avait la Kiki à côté. C'est vrai que là, j'ai pas compris comment on a fait pour être surpris, sachant qu'on les attaquait nous, mais bon, je... Bah, parce que Arda était déjà en combat, en fait.
merci. Donc, moi, bah, attends, ils sont où les autres là? Mais en vrai, j'étais en train de faire bouger mon. Mon invocation, et en fait, les personnages, ils se sont dirigés vers moi, et. Bah, j'étais très visible. Et j'ai paniqué, et j'ai pas eu le temps. J'ai voulu passer en mode tour par tour, mais j'ai pas réussi à trouver où est-ce que c'était. La détresse absolue du gars qui sait pas jouer. Oh non. Oui, contre-sort, boule de feu, c'est petit. Quoi? Moi, j'en ai pris tout à l'heure, ça m'a rien fait, j'ai perdu 19 PV. Je pense que était une mire, bon. Ça, je l'entends, ça, c'est de l'arrache. Involucre. Oh putain, ce mot. Alors, qui c'est qu'on bute? Est-ce qu'on fait Magdubdu? Alors, si jamais. Le squelettal involucre qui est à la fin là, quand il explose, il fait 6 à 27 de dommage. Oui, mais si on bute créer sa bonne d'auteur, je pense que. Bon bah. Allez, ah oui, oui. Après, il suffit juste de pas être à côté, tu vois, s'il explose et que je peux la tenir, hein, la créer ça avec un spell. Oh, c'est bon, je m'en occupe. Maintenant, je peux taper deux fois. Allez, beurre. Et la vis. Paf. Level up. T'as vu, hein, qu'est-ce qu'on fera pas pour les copains? C'est gentil. Bon, on est gentil, hein. Oh bah oui, mais viens à domicile, mais mec. Viens, viens. Attends, pourquoi par contre j'ai pas pu lui mettre une réaction dans la tronche là, il est passé à côté de moi. Oh, il est resté à proximité. Ouais, il doit être encore dans ta zone. Ah ouais, ouais, vu que j'ai l'attaque Paf. Paf. Oh là là, deux attaques! Le niveau. Ouais, ça change la vie, hein, de pouvoir faire des actions sur un tour. Mais vraiment, maintenant. Il se passe quoi là, hein? Aptitude de maintenant qu'ils sont tous morts. Bah, il se passe quoi? On passe le niveau. Eh ouais. Oh, c'est nul. Ah, ah tiens. J'ai rien dit. Oh, c'est bon. J'ai rien dit. Non, mais toi, tu vas. Je ne peux plus être empoisonné. En un tour, vous pouvez faire 24 attaques. Je ne peux plus être empoisonné, je me déplace encore plus loin. Genre vraiment, là, ça commence à devenir débile. Oh putain, j'en peux plus. T'as combien de déplacements, là 100 mètres de portée partout. Hein. Là, je sais pas, attends, je te dis une fois que je suis fini mon niveau. Ah, il y a encore un esprit, ici. Il y a un esprit fermé. Il n'est pas très ouvert d'esprit. Ouais, bah, ça, c'est... pas moi. Hop là. Bah, si vous voulez, on pourra retourner aller lui parler à l'esprit, savoir ce qu'il veut dire, mais sinon. D'abord, je vais me soigner. Hop là, je récupère tous les petits. Quoi, il y a le mur qui me parle. Alors, comment on sait combien on peut se déplacer? C'est dans. Dans ta fiche. Dans ta fiche de perso, dans vue détaillée, je crois. 12 mètres. 9 mètres. C'est leur caractéristique. 17. Quoi? Tu peux déplacer 17 mètres par tour. Ouais, ça va, c'est pas si pété que ça. Moi, je peux me déplacer de 11 mètres. C'est honnête. Ah, ouais. Mais attends, mais ouais. Mais attends, t'as ça. Après, t'as Step of the Wind, donc tu peux doubler cette distance. Oui, oui. Non, mais c'est de base, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que de base, je me déplace du plus du double. Non, c'est quasi le double d'Arda par tour. Genre, comme ça. Et encore, si tu veux, j'ai un anneau qui te fait augmenter ta vitesse de déplacement de 3 mètres. Est-ce que tu veux un anneau qui te permette de mais te déplacer non, mais je te dis, déjà 17 mètres, c'est bien, genre... Ah oui, par contre, là. Ça, c'est marrant, je ne pèse que 75 kilos. Et je peux plus être empoisonné, et ça, c'est... C'est surprenant, surtout, plus que marrant. On peut attends, pas... Normalement, c'est dense, hein, non, on est d'accord. Alors là, j'ai trouvé des papiers. Oh, ah putain, j'ai pas vu mon nombre de d'XP, enfin de PV qui vont augmenter. On a fait le tour de la zone là-bas. Hein. J'ai deux fois plus d'être. Bah, alors tu peux te déplacer deux fois plus loin que moi, certes, mais moi j'ai deux fois plus de PV que toi. Bon après je me prends. Oui alors bah, regarde le nombre de PV qui me reste par rapport à toi. Hein. C'est vrai que j'ai plus de PV que lui. J'ai envie de dire. Comment ça? Bah, c'est vrai que t'as le plus 25 avec Armure d'Agathys. Moi de base j'ai plus de PV que le moine. Non, t'as 62, j'ai 63. Oh ça moi, va. T'as 60. Ah le concours de.
C'est moi qui ai la plus grande barre de vie. Tu m'as pas cru. J'ai tenté bluff, ça a pas marché. Personnellement, fait. Moi, ça veut dire que c'est aussi un D6 par passage de niveau, le manque, ou c'est un D8? C'est un D6. Non, c'est D8 normalement. Bah ouais. Mais dans Baldur's Gate, ça marche pas comme ça, c'est que de la constitution. Ouais, c'est vraiment le. En fait. Et ma constitution, elle pue du fion, genre j'ai 13. Ils ont enlevé un peu toutes les notions aléatoires pour éviter que les gens fassent des save scans non-stop pour être OP. Quoi. Après, je pense qu'il y a quand même une partie qui dépend de ta classe, parce que j'ai moins de constitution au Karda, mais j'ai quand même plus de PV que lui. Enfin bon, j'ai un PV de plus que lui, mais on s'entend pas. Mais après, tu vois, non, mais ils mettent les valeurs moyennes flat des dés en gros. Quand je t'attends près de la dernière porte. Vous avez vu quand même là-bas, le gros crâne? Ouais, j'ai vu le gros crâne. Ouais, il est sympa. Non, attends, vous avez vu en bas là? L'ambiance, elle est sympa. C'est stylé. Ouais, avec les. Ah, mais en fait, c'est un ascenseur. Ok, c'est là où on va. J'ai pas compris. Ouais, c'est la suite du niveau. Pardon. Il y a encore des œufs de Pâques sur la route. Oui, j'ai vu. C'est pour pouvoir monter notre niveau. Vous avez pillé tous les coffres? Je crois, oui. Ouais. Je suis passé près du. Ah, mais attends, mais quand tu montes un niveau, tu. Ah, mais non, mais c'est parce que je suis. Ok. C'est normal. Ah non, c'est un mur en mur. Par où qu'ils sont? C'est un murmure? T'appuies sur M et tu vois. Ah, c'est un murmure. Je check juste. Non, c'est pas celui-là, celui d'à côté. Non, voilà, il y avait 36 pièces d'or loupées, bravo. Atémir, tu me déçois là, un petit peu. Ah, attendez. Je peux pas être sur tous les coups, je peux pas et commencer les épisodes en avance parce que j'ai parlé à des mobs et tout looter. Genre à un moment donné, il faut que je reste. Tout looter. À un moment donné, il faut que. Mais normalement, que tu es. Un peu aux autres, quoi. Tu es l'aspirateur à loot. Là, c'est très décevant. 36 pièces d'or. Qu'est-ce qu'on allait faire sans ces 36 pièces d'or? C'est vrai, t'as raison. L'aspirateur à loutre, qu'est-ce qu'elles ont fait du coup? Calmons-nous. Ne nous regarde pas. Hein, Calmons-nous. Pauvre loutre. On s'excuse pour ceux qui aiment les loutres. Moi j'adore les loutres, c'est trop mignon. Bon, c'est des salvettes en vrai. Moi j'aime bien les loutres. Ah, c'est pas très content. Moi j'aime bien les portes. Allez hop, on ouvre la porte. Un œuf de Pâques. Qui veut? On arrive. Toute une flotte de nos télévisés. Ah non, mais il nous est passé devant là. Bah oui, je vous laisse le défoncer, vous les one shot. Mais y'a plein d'esprits, est-ce qu'on va reparler à tous les esprits qui sont qu'on retrouve? Bah et... T'as vu que j'avais fait un échec Ouais. Mais deux fois non? Non, je crois qu'une fois. Hop là! Ah, regardez! Bah, je peux pas le taper, mais je suis. Ah, ouais, tu peux sauter aussi, salut! Moi non plus. Le cirque du soleil, hey! C'est tellement ça en vrai! Hey! C'est lui le cirque du soleil, quoi, c'est spectacle sans la lumière. Oui, au passage, je peux balancer 3 Eldritch Blast. Bien joué. Oh, ouais, sérieux? Ah oui. Oh non. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, j'avais omis ce détail. Ne descendez pas maintenant. Hein oui, parce que c'est pas normal. Voilà. Oh, mais c'est trop bien, j'ai tout récupéré mes sorts. Là, ça fait un long blast, quoi. Ou un short rest. Si j'avais su. Ah, c'est vrai que ça fait un long rest. Attends. Non, mais c'est bon, là tu l'as déjà. Non. Mais non, mais on l'a tous. Non, mais là faut que vous en profitiez pour balancer vos spells de buff et tout, pour recliquer dessus, pour être sûr d'avoir tout. Alors, les spells de buff, comment dire? Non, mais genre, tu vois, je sais pas si Arda tu veux prendre image miroir ou des conneries comme ça. Oh, j'ai envie de tester un truc. Oh non, je suis déçu. Mais ça dure 10 tours. Je sais pas, non mais je connais pas les sorts cotard, hein. Je sais pas s'il y a des spells. Je suis bon là, j'ai mon armure de mage, je suis... Bon alors je vais peut-être pas apprendre à parler avec les morts, hein. Pendant un combat ça sert pas à grand chose. Est-ce que je retire les malédictions ou est-ce que je mets des malédictions? Oh, tu les mets, on s'en fout de pas avoir de malédictions. À moins que je mette big... Enfin merde. Beacon of Hope, et là ça max les soirs de soins qu'on se fait. Les soins qu'on fait, mais on fait pas de soins. Bah oui, mais je pense que ça marche aussi pour les popos, non? Attends, vous alliez qu'on gagne le nombre maximum de hit points possible quand on soigne.
Ils ont avantage... Oh, oh, j'avais pas vu cette partie. Ils ont avantage sur les jets de sauvegarde et sur les jets de... pour la mort. Ouais, mais c'est encore une fois, tu vois, c'est de la concentration, c'est ça qui est chiant. Tous les spells que j'ai, moi, c'est quasiment, c'est que de la concentration. Putain, attends. On descend attends, je regarde les sorts que je peux. Je suis en train de vérifier un truc. Tu es silence. Ils sont en train de min-maxer leur stratégie. Bah, grave, oui, ça c'est. Grave. C'est important. Parce qu'il y a une autre part foncer dans un combat à la zob, hein. C'est bon. Rien déjà, tu sens que ça va être un combat bien chaud parce qu'ils nous ont mis un point pour. Oui, bah, c'est pour ça, tu vois. Vu qu'il y a ça, bon, je me dis que peut-être se préparer. T'as une voix qui fait descendez, descendez. C'est bon, je suis prêt. J'ai pas attendu ça, c'était prêt. T'es peut-être sur le truc, j'ai cliqué. Ma larve s'agite. Ma larve s'agite. Ouais, c'est titre. Hein. Ça me titille la larve. Ça, c'est titre, hein. Ma larve s'agite, c'est un titre instantané. C'est. C'était tellement dégueu d'empêcher l'endroit où on est. Ah oui, ça va sentir la mort. C'est vrai que c'est dans ces moments où t'es content de pas avoir l'odeur, quoi. Ah ouais, non, tu vois, ça va sentir la boucherie, mais oublié pendant 2 semaines, quoi. Le mec, il est parti en congé, il a oublié de fermer sa boucherie, et boum. Je parle à une porte. Ah. Sympa le diadème avec la tête de mort. Vous en allez. Ah oui, entrez. Allez, salut. C'est la fin de la et là, tu mets s'en aller et t'as les crédits de ce jeu qui apparaissent. Avec la musique pélé pélé pépé pépé pépé. Alors, je vais pas mentir que j'ai réussi moi à déclencher la fin du jeu à ce moment-là. You said it was under control. C'est qui ? It isn't you I asked. Bah, c'est écrit en bas. Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Ah mais c'est les 4 en question. Yes. Les 3. With cleavers through his blood-starved flesh. Oh, mais c'est dégueu son armure. Like flies on liquid carrion. Dan Lakiti. You forget yourself, Orin. I've played my part. You built an army for our masters, true enough. But what of the astral prism? A rogue, true soul, flaunting it under your nose all this time, and you ran from him. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge. But you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews again, 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 again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane. The Lash of Baal. Des dégueulasses. T'as Elder Vine. One of the cruelest and most powerful creatures in existence, enslaved by mere mortals. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard, the Absolute. Whom preserve us? You wag your word flap in vain, Alderling.
Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Okay, on but. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Oui, je disais avant qu'on se batte là, on est d'accord qu'en fait ces trois là, les trois persos là, méchants là, c'est les trois qu'on passé un pacte avec le dieu de la mort qu'on a dans les comment ça s'appelle là, dans les hints pendant les écrans de chargement, on est d'accord. Ouais. Bah en gros, chacun des trois c'est les élus des dieux, donc t'as Mercure, t'as Bane et t'as Baal. Et Baal. Voilà, et Boal, le célèbre Boal, donc notre ami hein, qui est parmi nous. Je suis Boal. Voilà, qui est l'émissaire de... Attendez, vous avez vu ? Il y en a là, des... Ouais, des gentils. Ah, mais il y a des autres packs là, il y a des autres packs par là. Là-bas, t'as des espèces de trucs. Ah bah, t'as Sailor Moon qui est de retour là-bas. C'est ça, t'as Jackie là-bas, là. Attends, il lui reste 87 PV, il se fout de notre gueule, là, non ? Non mais il va se faire buff, c'est sûr. Après, il y a quand même marqué qu'il est invulnérable. Merde. Bon. Accessoirement. Pour une fois que c'est... Moi j'ai pas bougé hein. Ah ouais, non, j'ai voulu cliquer sur le truc invulnérable sans que ça... Bon perso, let's go, on y va. Arda, il vient de prendre une potion de Glorious Vaulting hein. Il est parti. Il se met en place quoi. Est-ce que vous voulez que ce soit moi qui lance le blabla? Bah non, je peux le faire si tu veux moi. Bah si vous voulez vous placer à des endroits stratégiques, de toute façon moi je suis recac donc... Bah je suppose que la bonne femme là-bas, la Sailor Moon, faudrait aller la libérer. Oui bon c'est pas comme si on avait le TGV parmi nous là. Le NGV, le nain à grande vitesse c'est ça? Mais non pas le NGV, c'est le MGV, là c'est le moine à grande vitesse. Ah, le fight est lancé mais par mon squelette. Du coup c'est bien s'ils regardent tous par là-bas et c'est fini le fait qu'ils bougent les champs de vision. Donc placez-vous comme vous voulez. Bah non mais là il y a un problème. Bah j'y vais. Ah merde. Putain. Bon bah effectivement ça a lancé le combat. Bah oui, c'est juste mon squelette. Bon moi je me suis près de la bonne femme là, je suppose qu'il y a moins un truc là. Alors ça c'est très con quand même. Quoi? Pas rien. Qu'est-ce qui est très con? Bah je crois qu'on a skippé un dialogue mais... Ah. Et c'est dommage. C'était un dialogue important? Bah c'était avec un dialogue avec Ketherick mais peut-être ouais, qu'il y avait un peu truc, de... C'était un truc du genre vous ici, vous êtes là exactement où je le voulais, vous m'avez amené le truc qu'il me fallait, pile dans mon antre, je vous ai piégé, moi maintenant je vous tue, un truc comme ça. T'avais peut-être un petit peu de lore dans l'histoire, mais oui, à la finalité c'est ça, de toute façon je suis le méchant, je vais vous taper dessus. Je vais te tuer la santé. On m'a mis en combat là. Bah oui mais attends, j'essaie de me placer. Elles ont quoi? Elles ont 18 PV. Est-ce que je peux les surprendre? La Vierge Lunaire, la Iron Moon, enfin. La Maiden Moon. Oh! Ah ouais, tu les as bien calmées quand même! C'était quoi ça que t'as lancé? Juste un cantrip d'aspersion d'acide. Ouais! 3 à 10 points de dégâts. Ouais, mais là, level 10, tes cantrips ils prennent des dés en plus, non? Oui, mais n'empêche hein, que c'est pas dégueulasse du tout. Bon, par contre, moi je suis pas serein de. Oh là là. T'as fait Ketherick tout seul, non? Ouais, bon, je crois. Bah, c'est surtout que pour l'instant, il est toujours invulnérable, quoi, donc on va pas faire grand chose. C'est pour ça. Ouais, alors je crois que. merde, je me suis fait voir. Est-ce que le. Ah, c'est mon tour. Ah. Je pense que moi je vais utiliser des incubations. Oh il fait chier.
Alors par contre, effectivement, il était toujours invulnérable en forêt. Ouais, mais un truc avec la Maiden, je suppose, il va falloir la libérer, mais je sais pas trop comment. Bah voilà, ah, moi mais j'ai... je peux faire simplement aider en fait. Oui. Ouais, ouais, mais mon perso il vient de dire. Tant que Night Song est dans la cage, Katerik reviendra à la vie. Donc on peut lui taper dessus dans la joie et la bonne humeur. Voilà, c'est fait. Je vais lui casser la gueule. Ah oui, on peut lui casser la gueule. Casser la gueule. Ouais, mais moi déjà, vu que je suis à 3 km. Ah, t'as libéré. Bah ouais. Ah, il n'y a pas de résiste. C'est vraiment ce qui me fait dire que quand tu ponces tellement avec toutes les quêtes annexes, etc., tu termines les actes avec. T'es trop OP pour le reste, quoi. Regarde, il a 87 PV, on est là-bas. Ah, son chien est tellement bien. Ouais, je vais faire ça, je crois. Il a une attaque supplémentaire, il a un châtiment de pain amélioré. Enchantement arcanique. Forme immuable. Oh là là, plus 5 au jeu de sauvegarde. Ah non, je peux faire encore une attaque. Oh, c'est en, vrai. En tacticien là, ils sont en train de enfin je sais plus si c'est tacticien ou si c'est un nouveau. Non, c'est honneur, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Enfin, ils sont en train de réfléchir pour implémenter justement les sauvegardes légendaires, etc. Là. Le nécromite. Alors que c'est pas avec un B quoi. Oui, tu l'avais déjà fait, je crois, cette blague, mais c'est pas grave. Ouais, mais je la refais tout le temps, je l'aime bien. Ah, d'accord, ok, ouais. C'est un peu comme un bon biscuit d'avoine, on en remange à chaque fois. Putain, mais pourquoi j'ai. J'arrive sur Keterit au prochain tour. Ah, ouais, t'inquiète pas, que de toute façon, je vais claquer. Elle va jumper dessus, elle va le one-shot. Quoi ? Ah non. Ah, elle a le rayon sur elle. Elle vole et elle prend quand même l'échelle pour monter, c'est pitoyable. C'est bon, tant qu'il y a le Moonbeam, il prend plus de dommages, enfin il prend des dommages. Non, on l'a sauvé, donc là elle est... Non mais Jackie, il est plus invulnérable. Bah il était plus du moment que... Il était plus du moment où on l'a aidé en fait. Attends, pourquoi c'est pas... Allez, en avant, let's go. Ah, à l'attaque. Ça c'est fait. C'est moi qui viens de dire YOLO là. Je te dis YOLO à chaque fois. Hein. Ah. Exécuté. Ça sera donc un critique. Qu'est-ce que je lui mets? Bah je sais pas, mais il reste 16 PV quoi. Tu touches dessus, il meurt. Voilà. Ah, un combat de toute dureté. What a fool you are. You cannot kill me. I am eternal. Nope. Merkel, Lord of Bones. I am here. I am ready. C'est une belle armure. Vous avez le même diadème. Ouais. Yours. Non, l'armure. Alors là, je vous invite à savourer en silence. C'est le nain. Je veux cette peau. Ce boss, putain, ce boss. On est bien d'accord qu'il a besoin d'un appareil dentaire, hein, à ce niveau-là.
Alors je me permettrai pas de lui faire une réflexion sur ses dents, hein, on va pas se mentir. Ouais, il manque une partie de mâchoire, monsieur a une mâchoire en or, mais par contre niveau des dents... Est-ce que je fais une action search? Attends, c'est quoi déjà lui? Mais j'avoue qu'il est classe. Mais tu sais... trop stylé. Ceux qui ont déjà fait Diablo 3. Ouais, ouais, je vois très bien de qui tu parles. Ouais, c'est bonne, une c'est bonne... Enfin, t'as le truc en demi-cercle, la faux... Les... Ouais, c'est Belial, ça. Ouais. Enfin, c'est Belial en mieux, je suppose, parce que du coup, tu lui roulais dessus, quoi, Belial. Chiant, la meuf devant avec son moonbeam, là, elle nous cache la vue du boss, là. Ouais, c'est ça. Oh, je suis content de m'être barré. Ah mais bah, voilà, j'ai une plus la vue. Waouh, elle s'est fait mais. Et oh. Ça va. Sans, hein. Quand on l'examine, qu'est-ce que ça donne? Bah en fait, il t'a bone chill et du coup. Ouais, j'arrive pas à l'examiner. Moi, je peux l'examiner. Moi, je peux. Il s'est tapé un rêve. Il a résistance magique et pas magique au nécrotique et à la glace et il est immune poison. Je vais lui mettre un nuage de dague juste à côté de sa mouille. Ah, moi je comptais juste lui mouiller la gueule et lui taper dessus à coup de chaîne d'éclair. Ouais, chaîne d'éclair il est tout jeune. Non, appel de... enfin, call lightning. Ah, appel du tonnerre. Ouais. L'os tonnerre. Bon. Bah on va faire les flongs du Fire Snake, hein. C'est ça qui va se passer. Hein. Après si tu le tapes avec de la flotte, à partir du moment où je lui aurais balancé de la flotte, il va être vulnérable, hein, donc... Non mais je peux pas. À la glace. Ah si je fais ça. Oh allez, la bonne femme. Tu peux lui balancer de la flotte là, tu vois? Bah je vais voir, attends je cherche ça dans mon petit sac là pendant que c'est la fin du monde. Je peux mettre une zone de silence hein, sur lui. Je le défonce à distance. Allez hein. Bah, une petite zone de silence ce serait pas mal non? Comme ça, pas lancer. J'ai des avantages de lui jeter une bouteille d'eau parce que je suis effrayé. Bon j'essaie quand même de le mouiller. Par contre je fais des dégâts de tonnerre ou des dégâts de foudre? Il est mouillé. Il est mouillé. Et il est mouillé. Donc... Ah, c'est lightning ou il est... Ouais mais là du coup il est résistant au feu là. Ça. Ah oui, mais maintenant à l'éclair. Mais merde! Oh, je peux pas lui taper dessus. Oh merde, je peux pas lui balancer de ça. Je peux le ex, mais sur quel caractère? J'ai pas pu le respecter donc. Je te dis ça. Moi je suis chaud de dex. Alors, 23 force, 12 de dex, 22 de constit, 15 d'intel, 17 de sagesse, 21 de charisme. Bah, c'est plus dex, généralement c'est les spells d'AOE, etc. Donc ça peut être intéressant. Ouais, alors c'est Dex ou Constit hein, en fonction. Moi là, c'est Dex. Ouais, ça va être Dex ce que je vais lui balancer dans la gueule. Putain, je sais pas si je claque une popo de. Ouais, allez, let's go. Ah merde. C'est un sort concentré, j'ai enlevé la zone de silence, tant pis. Ah, une attaque d'opportunité, ça sucks. Attends, what? J'oublie toujours ces trucs de concentration. Je suis pas assez concentré. Bon, Atemir va le mettre vite life. Ouais, ça, il bolosse, non, il bolosse fait, le dieu de la mort à main nue. En fait, je voulais lui faire des dommages de feu, mais je peux pas. Le problème de l'avoir mouillé, c'est qu'il est résistant maintenant. Ah, oui, peut-être, mais. Mais regarde ce qui va se passer. Putain, attends, pourquoi je peux pas. Oh, j'aurais pu lui mettre 120. Oh, je suis déçu. Et... Non, à chaque fois je le. Je kiffe, hein. Il a encore fait voler Knights. Elle avait bateau crevé d'ailleurs. Alors, par contre, elle a plus que 6 PV, il serait peut-être temps de la soigner. Ouais, t'inquiète, c'est prévu. Ah, je vais pas pouvoir détruire l'involucre squelettique. On s'en fout, ça pète dans une petite zone, c'est pas très grand. Hein. Il a mangé. Mangé sa nécromite là ou quoi? Bah, y'en a pas. Tu vas vraiment lui tirer dessus à l'arbalète là? Bah, j'ai fait un sort de concentration donc oui.
Bah tu, mais tu peux lancer d'autres sorts tant que c'est pas de la concentration. Après balance lui un sort de glace, non de d'éclair, il a vraiment pas kiffé la blague. Hein. Ah ouais mais non, j'ai pas de sort d'éclair sur moi là, j'ai juste ma poignée électrique. Ah bah de la glace il a plus de résist hein, donc. T'es sûr qu'il a plus de résist? Oui oui, quand il est pas quand... immunisé. Non. Bah non. Non, il était résistant. En fait, il est résistant quand tu lui fous une vulnérabilité à une résistance, ça le refait passer en classique. Voilà, par contre, il faudrait vraiment qu'il ait plus de PV. Hein. C'est vrai que là. Bah là. C'est le mob qui va le terminer. Ouais, il y a des chances. Allez, let's go. Ah, bah tu vois, j'ai fait quand même le succès alors que j'ai des mobs. J'ai pas vu ce que c'était vaincre la poutre de Mircube sans lui laisser le temps de manger des nécromites. Ah, par contre, moi j'ai l'écran tout noir, j'ai pas la cinématique, ça fait chier. Impossible. Bah, tu regarderas l'épisode. Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me. I am forsaken. You have no idea what you've done. Isabel. Ooh, oh. Elle a abîmé l'armure. T'es sûr c'est Dame de Vertus machin? Alors, en même temps, attends, elle a été enfermée pendant combien d'années ce meuf? Elle a le droit d'être vénère, je pense. Fealty. Do what you must, then we fly this foul place. Et je crois qu'ils ont rajouté des scènes. C'est possible parce que j'avais pas vu ça dans les spoilers que j'avais. Oui, mais moi non plus. Quand je l'ai buté, je me rappelais pas de ça. Oh, l'autre froissé. Papa, je t'aime, je t'embrasse, Iz. Quoi, tu l'as déjà loot? Non, c'est toi qui es en train de la loot là. Ouais, c'est moi qui est en train de loot là. Ah, vous voyez ma waifu ou la vôtre? Ouais, c'est la tienne qu'on voit. Elle est sexe, hein. Bah, elle est à ta taille, quoi. And now the picture comes together. The absolute is neither god nor man. It is the elder brain you saw. Held here by those three against its will. The crown it wears controls it. And these stones control the crown. It has been dominated. To master an elder brain. Bah j'ai essayé de faire un perso qui soit charismatique. Our enemies are charismatique. Ouais, je voulais dire charismatique, mais je me suis loupé. Excusez-moi. Allez, numéro 1. Ah bah la une. A temporary reprieve. But a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. The crown's markings suggest it was forged in Netherreal, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are netherstones. Imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. One of them I know, Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver, a worshipper of Bane, the god of tyranny.
The other is a mystery to me. But the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Ketherick was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the dead three. Allez, moi je suis curieux. Bane, Baal, and Merkel. The tyrant, the assassin, and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers, a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an elder brain, I dare not imagine what they might achieve. Elle en sait quand même des trucs, hein. C'est louche, non? We prepare for the fight of our lives. Bah, après les trois dieux, c'est connu de tous, hein, que. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Le seul mage du monde à être totalement adulte, quoi. Tellement la gueule dans ses parchemins qu'il a oublié de comprendre comment le monde fonctionne. All it needs is an order. An order the Death Gods chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the chosen before that happens. We must take their stones. Wait. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. 945 XP, not bad. Oui, j'ai l'armure, j'ai l'armure. T'as quand ça t'as récupéré l'armure? J'ai récupéré l'armure. Hein, quoi? Toi, tu me la rends? Elle était dans mon inventaire. Rends-moi. Tu peux pas la porter. De toute façon, toi, t'es rachitique. Rends-moi l'armure. Putain, mais tu l'as mis où? Tantôt. Putain, mais l'enfoiré, il s'abuse à foutre le bordel dans nos inventaires. Ce qui est mieux, c'est que je l'ai remis au même endroit dans ton inventaire et du coup tu l'as trompé. Ah bah ça y est, oui, elle est là. Bon, non. Qu'est-ce qu'il avait à part une armure, un marteau et un bouclier là, alors le bouclier, il est... Je l'ai fait, il est trop bien pour les lanceurs de sorts. Oui, mais je lance pas de sorts. Enfin, je porte pas. Wow. Ouais, moi j'ai dit j'arrêtais les sorts, maintenant je tire à l'arbalète. Le cac. Mis à part. Son armure marteau bouclier, il avait d'autres trucs ou pas? Non, il avait juste. Moi j'avais juste ça. Après, le marteau de guerre. Oh, le marteau de guerre. Ah oui, non, mais c'est si je le tiens à deux mains. Alors là, il y a la moitié d'une bibliothèque pour notre ami Arda à lire. Et en vrai. Attends, vas-y, je peux regarder un truc, Katox. Ça, il y a une bibliothèque. Plan d'invasion de la côte des épées. Okay. Non, mais il y a 4 bouquins à côté. Ah, j'arrive. Putain, je fais 8-18 avec le marteau de guerre et je fais 9-21 avec la hallebarde à deux mains. Ouais, je crois que je vais passer à l'arme à une main. Ah d'accord, il veut commander le grand dessin en fait, Gortash. Ouais, ça, c'est à peu près ça, quoi. Bah, c'est marqué dans le bouquin. Ouais, c'est ce que j'ai lu aussi. Oh, bah, je pense que je vais passer au shield, hein, parce que là, je regarde avec le shield, je fais 8-18 de dégâts, et avec la hallebarde qui est à deux mains, je fais 9-21. Donc en fait, je fais quasiment autant de dégâts en ayant une arme à une main. Et hein, je passe en CA 21, quoi. Ouais, et je gagne aussi un avantage plus 1. Attends, c'est quoi? Le shield il est trop bien parce que ça rajoute plus 1 au spell save et aux attaques, aux jets d'attaque de sort. Un coup de bouclier c'est cool aussi en réaction. Oui, non mais c'est clair que. Ouais, en plus, ouais, comme ça toi. Ouais, ouais. Et ton armure tu la mets pas? Si. Paf! Alors voyons voir à quel point tu es lax. Bah ça rend vachement moins bien sur un... Active ton casque un coup pour voir un peu... Ouais, coucou. Attends, je vois ça pas. Je crois
ressens pas grand chose quand même. Ouais, si tu ressembles à Sauron. Le casque, il est un peu en désaccord, quoi. Il est un peu trop brut par rapport à la finesse de l'armure. Ouais, c'est ça, c'est genre. Ouais. Oh non, non, faut tout que j'ai une. Oh non, tu feras plus. Non, mais c'est pour les fonctions récupérées. Je vais casser la balle. D'accord. Là, du coup, on prend le portail à destination de la surface. C'est déjà pris. Bien, je suis. Donc tu es. J'arrive. Bon bah attends, faut que je trouve une petite arme à une main là. Ah, flétrice. Bon, je parle à flétrice, il nous dit de venir. Ah oui, parle-lui. Bonjour. The shadows yet fester. The dead three united under cover of darkness. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do Illithids possess souls? Les Illithids ont-ils une âme? J'ai jamais réellement pensé. No. Nor canst thou count. Ah, d'accord, c'est une question auquel cette fois il a la réponse. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Where matters of balance are concerned, I am eternally called. Yes. Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished as one and as three. The Alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Gérer mes employés. Non. Dites-moi plus, non. Bah, c'est parce que, en fait, tu peux, si tu veux, recruter des gens et tout. Ouais, recruter des héros. Moi, en solo perso, j'en ai recruté un et c'est mon petit mage qui me fait des popos de. Qui me fait des doubles popos. Je l'ai spé potion. Dommage qu'on puisse pas faire des emotes là, j'aurais pu, entre guillemets, faire ma révérence devant. Xavier. Du coup, là, on a tout fait. Où est-ce qu'on doit aller? Il faut aller la route de Baldur. Attends, il y a Jacqueline là. Il y a Jacqueline avec ses ailes là. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Il y a Jacqueline. Oh, cinématique. Ouais. Ah. Elle rigole en plus celle-là. My love, you are dead. I saw your body. I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. What is you? I dreamt every night that you'd come back to me. But somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you?
In this moment, I want for nothing. Par contre, elle a l'air quand même bien mal en point avec sa tête toute fissurée là. Fissurée d'or, hein. Ça va, elle est pire. It's you, isn't it? You're the talk of this place, you know? J'interromps quelque chose, peut-être. And this is. Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy. Littéralement. And fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later. Comment ça? Mais bien sûr! Mais bien sûr! Désolé, il commence à y avoir un peu de monde. Mais non, mais c'est bon, il y a toujours de la place. En plus, on a fait partir. Comment elle s'appelle? Ombrecoeur. Ouais, c'est ça, ouais. We look forward ça, on récupère une vraie cléric. Now, you will leave us. We must take succor in vous avez vu, le tapis est vachement beau. Aelin! We'll see you later. Voilà, voilà. Trop, l'autre, il est... Après, en même temps, c'est vrai que je peux comprendre qu'elle soit ordi après 100 ans passé à se faire marave la gueule par des méchants. Et si on parlait à Jaera maintenant? Vas-y, hein. Faut lui choper ses épées, c'est ça? Qui lui parle? Treat one patch, and two more bloom in its place. An elder brain. Bound by lost Netheri's magic, with servants of the dead three holding the chain. Reminds me of old times. Aren't you? It is good to savor the moment of victory. But pace yourself. Our fight is just beginning. When we met, I was licking my wounds. An old bear with her leg caught in the hunter's snare. Now I've slipped free of the trap and rediscovered my claws. It's time for me to hunt my prey. You have a netherstone, and you're on the scent of two more. These chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. Glad to be there. Falling foul of Catherick convinced me that my grand adventures were behind me. That even if I survived, I should hang up my blades. But you convinced me otherwise. We ventured into darkness together. Now we've come out the other side. I'd say I'm feeling a little refreshed. When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. I will follow you wherever they lead. Yay! How does it compare to a shadow-cursed inn? With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthalan's Dancing Axe. We'd do well to check in with them before entering the city proper. Beyond that, our course is yours to set. I can recall how to take orders, as well as give them. Yes, on a bien fait de lui parler. Il faut aller rendre, faudra aller rendre les quêtes aussi à l'auberge, là. Je trouve pas des tiflins, s'ils y sont encore. Ouais, on va faire ça. On a retrouvé Moll et tout. Est-ce qu'on ferait pas ça? Si, on va faire ça au prochain épisode, je pense. Ça fait une heure. Oui. Est-ce qu'on finit de causer? On finit de causer aux quatre bonhommes qui sont là. Sachant que tous les trucs, c'est pour plus loin. Rendre les quêtes, ils sont déjà partis en fait. Ah. À l'auberge, j'ai peur. Genre Alcim et tout, faut leur causer là. Bah, quand tu regardes les quêtes, l'endroit où sont les quêtes, c'est après la route de Baldur's, donc. Effectivement. Ouais. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce qu'on finit de causer à Alcim? Flemme, ou enfin prochain épisode, c'est plus ça. Bon, on peut terminer les blabla, il reste à parler à qui là. Bah, je sais pas, il y a Alcim qui est là, je vais le poser. You prevailed, my friend.
Now your path takes you to Baldur's Gate. Pour la quête de chercher Moll, si Moll ne se trouve plus à l'intérieur des tours de Hautune, il est possible qu'elle soit montée en douce à bord de l'un des vaisseaux et qu'elle se dirige elle aussi vers la cité. Donc elle n'est peut-être pas encore. Now I must remain behind. Ou transformée en. Stand watch over it. Vous voulez qu'on garde Altim avec nous ou pas? Bah oui. This place needs me. I wish it were different. I truly do. As long as the curse remains, so must I. Ah bah. Okay. Il y a les moyens de le garder jusqu'à la fin ou il reste d'office ici? Non, tu. T'as un truc à faire ici, dans cette zone-là, pour pouvoir en gros. Faire sa quête perso. Mais après, le perso est pas super bien développé dans le sens où. Comment dire. Après cet acte-là, ça devient en gros un petit labourer. Hein. Ouais, ouais. Il sert plus à rien, c'est une horreur. Oh putain, je vais pouvoir jeter mon marteau maintenant que j'ai mon. Oh bah ils ont plus rien à nous dire. Ah ouais, il y a peut-être des trucs à vendre aussi là. Bah on va clôturer ici. Ouais. On se retrouvera pile devant le truc pour la porte de Baldur. On fait des bisous. Ah, yes. À plus. Des bisous. Ciao. Bisous. Ciao.